يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Demander les remerciements appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Frères musulmans, sœurs musulmans, un remerciement sans limite pour une faveur sans limite qui est Allah pour l'alamin. Et qu'il fait alors nous, il peut continuer à faire alors nous, et qu'il nous demande pour continuer à faire alors nous jusqu'à nos derniers soupirs. Comme une continuité à nos derniers khutba en ce qui concerne قبل التطوع، وخاصة صيام التطوع في الإسلام، فيرتو العبادات سيريروغاتوار العبادات نفيل، et en particulier روزان نفيل. إن شاء الله on s'arrête pas aujourd'hui là dans ce premier parti. Nous pouvons étudier quelques différents types de روزان نفيل qui l'islam fait prescrire à travers les pratiques de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par le salaf sa ummata, par la première génération de l'islam et suivi par les ulama al-sunna wal-jama'a. Dans nos dernières sessions, nous avons informé Badrosa Nafil qui est recommandé dans le mois de Shawwal, c'est un dimanche qui fait garde le Rosa Ramadan, qui fait complet le Rosa Ramadan. Alors il garde 6 Rosa dans le mois de Shawwal, qui égale à 1 an Rosa. Parmi Man Rosa, parmi Man Siyam, qui est considéré comme Man Siyam, Tatawwa, comme Rosa Nafil, veut dire volontaire, apporte le Rosa Ramadan, qui est un petit monde capable d'observer afin qu'il continue vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa action qu'appelle Siyam, c'est Rosa pendant les 9 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Le mois de Dhul-Hijjah, c'est le 12e mois du calendrier islamique. Inch'Allah, dans le moment voulu, Vini nous propose le Fadl, vertu 10 premiers jours de l'Hijjah. Les 9 premiers jours du Dhul-Hijjah, les mentionnés dans les hadiths qui trouvent dans Abu Daoud, rapportés par un parmi l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les dire
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال دروسة لنف هم يصوم ثم ذو الحجة بكي يرسلنا سيمجمون على رنتري du mois de Dhul Hijjah, le premier Dhul Hijjah jusqu'à le 9 Dhul Hijjah, les gars de Rosa, c'était le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et basé sur ce hadith-là, mon frère et ma soeur, nous trouvons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la façon de ce hadith-là, était les femmes ferrées un fois, les femmes ferrées, c'était à l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était à l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour garder le rosa 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Mais ils vont le faire ressortir. Et le hadith qui prouve dans ce muslim, hadith de Aisha radiallahu anha. Dans ce hadith-là, il y a beaucoup de sons. Le fil fait qu'après le hadith, depuis un temps, il va les douze du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit, il a l'habitude de l'autre rosa des premiers jours, un jour, Dhul Hijjah. Aisha radiallahu anha fait dire dans un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, ma raïtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam sa'iman fi l'ashr qat. Jamais on ne trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'autre rosa les 9 et les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Il y a ce hadith de Aisha, sa parole de Aisha là, et qu'on prédit sa parole que sa note, madame, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plat des dires, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai habité comme. Aïcha radiallahu anha, il est samé pour qu'il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de Rosa, 10 premiers jours de l'Hijjah. Une première leçon qu'il utilisait, c'est comme ça qu'il y a une divergence dans les ikhtilaf, dans les, c'est comme ça qu'il y a une divergence. C'est ça qui avait une divergence chez les savants musulmans. Chez les juristes, dans l'islam, dans les hadiths contradictoires. Oui, mais dire quand on dit le hadith là, textuellement, il paraît contradictoire. Mais en vérité, là, veut dire normalement, et il y a ma procédure qui va rendre la main à cet employé dans le fait, dans la sunna, cet employé pour capable, veut dire, se analyse sa main hadith là pour capable sortir avec une conclusion. Et ça, il lui montre nous l'importance de la main dans sa vie là. Si un démon ignorant, il pense à des hadiths là, que vous voulez que vous allez. Un homme qui apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les victoires de Rosa, veut dire les 9 premiers jours de l'Hijjah, un homme qui dit Aïcha radiallahu anha, mais mieux ça qu'il soit. Alors, un petit mot qui fait la connaissance concernant vie, concernant hadith, concernant le fiqh, donc les bouddhas maintenant, les bouddhas maintenant pas là. À cause, ça même qui veut dire le visage et tout, mais il n'y a pas la main. Mais dire le visage et tout, mais il n'y a pas le savant, dans le vrai sens du mot. Le visage et tout, mais il n'y a pas le savant, veut dire pour capable. L'oban périodique final. Donc, maintenant, la main, ce qui n'a pas de procédure, ça, c'est pas l'air, c'est le coup, al-jam'ul al-dillah, al-tardir. Alors, il n'a pas de procédure qui va nous la main suivre. Donc, ici, dans ce cas de sa zé hadith-là, veut dire sa première hadith-là du authentique, sa deuxième hadith-là aussi du authentique. Alors, comment va nous la main, finalement, il y a un point commun entre sa zé hadith-là, va nous la main dire que Aïcha radiallahu anha, quand il veut dire ça, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'ordre de Rosa, ça n'est le premier jour-là, ou bien qu'il parle de l'ordre de Rosa, ça n'est le premier jour-là. Alors, par exemple, la matinée arrive, mais il y a un point commun, Aïcha radiallahu anha n'a pas fini de connaître qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'ordre de Rosa. Et il y a une leçon pour nous là-dedans, mais à qui point Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait l'ordre de son action discret. Et il y a une chose qui ressemble à sallallahu alayhi wa sallam qui fait dire qu'il existe quand même sur madame qui vit avec lui n'a pas fait connu. À qui point un dimon d'exercer ce bon action. Et nous pouvons dire qu'il y a un dimon faire un fitna dans sa ville là. Faire un fitna dans sa ville là. Et pas une organisation islamique. Et pas un individu. Quand un dimon qui veut faire un certain travail social au nom de l'islam, au visage de la gazette. Mobiser les news qui mobilisent chaque semaine, mobiliser les mobilants et le temps du mobiliser. Mon temps du mobiliser à la chaude, mobilant, mon fil dépense temps, mon fil dépense temps, mon fil de charité temps. Mobiliser les magazines qui vont tirer chaque année pour montrer, veut dire, mon bon exploit. Pour montrer mon bon exploit, veut dire, et je dis quand vous êtes, si chaque dimanche vous pense tort, vous pouvez trouver
Elle dit, elle peut bien vous trouver un monde âgé, et il arrive l'âge 80 ans, alors bon, dans ce pas combien de temps, il fait arrêter la femme en France. Et c'est quelque chose qui est comme ça, les amis, pour la raison de ça. Oh, l'ibadat pour Allah! Oh, l'ibadat pour Allah! Pas supposé de publier l'ibadat. Un madame âgée qui a 80 ans, il peut prendre son tablier, les amis, pour la raison de ça. Vous avez donné à l'âge de 20 ans, dès l'âge, aider le cadavre peut prendre son tablier. C'est un fitna, ma frère et ma soeur, et ensemble, sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire quelque chose qui m'oblige bien pour mon combat, c'est Ash-Shirk al-Khafi. Ash-Shirk al-Khafi, qui était Ash-Shirk al-Khafi, ma sahab a dit à Rasulallah, Ash-Shirk al-Khafi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ash-Shirk, qui cachait, c'est ça même Al-Riya al-Sum'a. Faire action. Si Shaitan t'a capable d'empêcher toi faire action. Si l'impéritif t'a empêché toi faire action, il n'est pas que toi gagne des convenances de sa action-là. Alors, il faut jouer avec de l'intention. Et vous jouez avec de l'intention, et vous ne faites pas faire des tentations, et vous ne faites pas faire chaud, et vous ne faites pas faire pour gagner le nez, et vous ne faites pas faire pour gagner le rôle. Alors, nous vous apprenons beaucoup plus qu'aujourd'hui, ma frère et ma soeur, des Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous le détournons dans la rive, al-Salam, sallam, madame, vous trouvez, qui, quand je vais faire la bonne action, parfois je vais lire pour un, quand je tends la porte café, je vais pas prendre le Coran, je vais s'y ouvrir jusqu'à l'ouvrir la porte, comme ça j'ai garanti, je vais lire pour un, sans le donner en soi. Non. Se cacher de ton âme, se faire de ton âme. Pourtant, ce n'est pas une mauvaise action qu'il se fait faire, mais c'est attention comme dans le billard. Attention comme dans le billard, mais il y a des versions de faire policier du monde. Alors, donc, dans sa halita, mon frère, le gros, mais il y a une sunna, un petit monde qui a oublié de Rosa Nafil, 9 premiers jours, tout le monde veut le halita, les gardes, Rosa Nafil. Si un petit monde n'est pas incapable de Rosa, mais il y a premier jour, à 8e jour, mais ce qui est plus recommandé, dans le mois de Dhul-Hijjah, c'est Rosa Arafat. Ce qui est plus recommandé, c'est Rosa Nebiyam Dhul-Hijjah. Alors, si un dimanche est capable de garder 8 jours, tous les 10 jours, les garder. Qui vient le 10e jour? Non, parce que le 10e jour, c'est le jour de l'Eid, et ça, il garde 20 jours, qui est avant pour garder Rosa. Alors, si tu es capable de garder pendant sa 9 jours-là, complètement, alors au moins, il garde 9e Dhul-Hijjah, c'est le jour de Arafat. Le jour de Arafat, رابطي فأبو قتادة رضي الله عنه صحيح مسلم يجيء وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية بديع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكيسوني كون سينا روزا لجوب عرفة et il ne peut les finir, c'est une expiation de 26 un an avant et un an après. Alors celui qui garde Rosa 9e de l'Hijjah, le jour de Arafat, alors c'est un démon qui Allah pardonne sur un péché, et comme précision, c'est sur un petit péché. Sur un petit péché qui n'est pas demande Tawba, un péché qui demande Tawba, qui disait que Tawba pour être pardonné, c'est pas ça un péché là, c'est un petit péché. Allah pardonne sur un petit péché un an avant et un an après. Dans le hadith dans Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Siyaru yawmi arafa, ahtasibu ala Allahi, an yukaffira as-sanata allati qablahu, wa as-sanata allati ba'dahu. » Alors il dit « Rosa arafa, mouina l'espoir, l'eau Allah qui passe à Rosa là, Allah pour expier, Allah pour efface, péché d'une année avant et une année après. » Rosa arafa, mon frère, normalement, Rosa arafa, il faut bâtir mon qui parle au Hajj. Et bien ça c'est l'opinion prédominante. Malgré qu'il parle au Lama, Rahimahullah, je divergé concernant Rosa Arafat ou Ban Haji. Je vais diverger en trois opinions, mais l'opinion prédominante, c'est qu'il s'arrose à la l'église pour les meilleurs qui m'a dit dans le Hajj, pas comme ça rose à la, parce que ça c'est façon de faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le calife Abu Bakr, le calife Omar, le calife Othman, le roi Allah alayhi wa sallam, mais je suis fait le Hajj et le jour de Arafat, je n'ai pas fait le gore de Moussa. Et par exemple, la main dire, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire, Yaw Arafat, huwa al-yawm alladhi yaqifu an-nas fihi bi'Arafat, wa sawmuhu mashru'un li ghayr man talbas bil-Hajj. Jour Arafat, c'est jour qui va dire, ban Haji, je suis Arafat. Avec la Arafat, Rosa Sassouda, les légitimes pour un qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de Hajj. Et là, ils vont nous préciser qu'il y a beaucoup de gens qui sont en confusion. Mais il y a même s'il y en a une différence entre la lune, mais il y a dans le nouveau pays, et mais il y a Arafat, normalement ici, ce n'est pas une question de la lune, c'est une question de mais il y a l'événement Arafat. Alors nous être appelés à d'autres Rosa en relation avec l'événement Arafat. Zou qui va Hajj dans Arafat, ça joue la vie sur notre corps de Rosa.
Alors même s'il y a une différence de un jour, avant ou bien après, dans nous la lune que nous restons, alors normalement, Rosala Sazoula, les jours qui vont être dans la part, sagesse et sa Rosala, afin que nous, si ensemble, nous ressentions la grandeur de Sazoula. Nous vivons dans Sazoula, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous profitons de Sazoula, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais bien nous reconnaître la grandeur et de sa jour sacré qu'avait Yao Mu'arafa. Fakir al-Iman, c'est qu'un al-Iman, parmi les Rosa, ils font partie de ce Yahoo de Tawwa. Nous, là aussi, c'est qu'appelle Rosa dans le mois de Muharram. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Akhbar al-Siyam ba'da Ramadan, Shahru Allah al-Muharram. Meilleur Rosa après Ramadan, c'est Rosa du mois d'Allah, le mois de Muharram. Meilleur rosa après Ramadan, moi nous connaissons le rosa Ramadan, c'est le rosa qui passe, un mois complet. Meilleur rosa qu'un petit peu nous garder avant le rosa Ramadan, c'est le rosa dans le mois de Muharram, hadith Sahih Muslim. Et le rosa dans le mois de Muharram, mais j'ai un petit peu de l'île pour garder quand c'est le rosa qui vient vite. Et toujours nous rappelle qui, avant le mois de Ramadan, ne pas supposer garde, aucun mois ne pas supposer garde le rosa au complet. Mais il y a le garde rosa au complet seulement dans le mois de Ramadan. Mais il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il garde rosa 30, 29, 30, dans aucun mois à part le mois de Ramadan. Nous capables de garder beaucoup rosa dans un mois. Nous capables de garder beaucoup rosa dans un mois, mais seulement nous ne garder le mois au complet. Mais il y a seulement dans le mois de Ramadan qu'il garde le rosa au complet, 29 ou 30, mais ben, le rosa n'a fait ne pas garder un mois au complet. Alors dans le mois de Muharram, pareil, nous gardons le rosa, le mois de Muharram, nous gardons le rosa, mais nous ne pas garder le mois au complet. Rosa Muharram, si un dimon, même s'il n'est pas capable de garder le rosa pendant ce mois-là, il n'est pas capable de garder plusieurs rosa, mais au moins qu'il garde le rosa, 10 jours Muharram. Rosa qui plie recommandé dans le mois de Muharram, c'est Rosa Dijan Muharram qui connu comme Rosa Ashura. Rosa Ashura, c'est Rosa qui normalement le sunnah, et quand on retourne vers l'histoire, vers Sirat al-Nabawi, nous trouvons que c'est ça même Rosa qui tu feras avant Rosa Ramadan. Avant Rosa Ramadan qu'il feras, Rosa Ramadan, comme je t'ai expliqué, comme tu poses l'obligation Rosa, et Rosa Ramadan qui me fait l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, deuxième année Hijri. C'est deux ans, la deuxième année que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Jibéa Hijra, de Jibit Makkah, de Jibin Medina, c'est là que Rosa Ramadan qui me fait. Avant ça, c'était un seul jour Rosa, c'était Yawm Ashura, c'était Rosa Ashura. Concernant Rosa Ashura, rapporté par Aisha radiallahu anha, il dit Kana Yawm Ashura, تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه عائشة رضي الله عنها بيجي صحيح البخاري زو عاشوراء بن قريش بقدر روزاسا زولا دار البوك الجاهلية Dijan Muharram, Ben Quraysh, tu fais garde rosa dans les mots Jahiliya. Et le messager d'Allah aussi, tu fais garde sa rosa. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire Hijrat, les filles de Medina, les filles garde sa zoula, et les filles Odul Manjimun pour garde rosa sa zoula. Les filles garde rosa, et les filles Odul Manjimun pour garde rosa sa zoula. Et quand rosa Ramadan fait obligatoire, deuxième année Hijri, les filles arrêtent garde rosa Ashura, les filles commencent garde rosa, rosa Ramadan. Celui qui voulait, garde Ashura, tu peux garder. Celui qui a envie de quitter, dit je te fais quitter. Alors rosa là, les filles un rosa surérogatoire, un rosa optionnel. Rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, dans Sahih Bukhari, il dit Qadim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, fara al-Yahoud al-Asum yawm Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une ville Medina, et il trouve un juif. Ben Yahoud, mais garde le rosa sa soula, sur Ashura. Fakala, mahad, les filles disent, qui était ça? Qui sa soula? Qui sa rosa qui va taper garde? Parlo, hada, yom, un salih. Ben la fille dit à Rasulallah, sa soula, c'est un bon jour. C'est un bon jour. Hada, yom,
Najjallahu Bani Israël. C'est le jour qu'Allah tire une libération à Bani Israël contre la tyrannie de Pharaon. Min adouihim contre Bani. Fasanahu Moussa. Et Moussa alayhi salam, et il dort de Moussa sa soula. Qala fa ana ahaqqu bi Moussa minkum. Et dit avec moi, mon plus mérite, veut dire suivre Moussa alayhi salam, qui se ban suivre. Moi, mon plus mérite suivre Moussa dans ce sunnah, qui se ban suivre. Rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, dans Sahih Bukhari, il dit « Kana yawm Ashura, ta'udduhu al-Yahudu 'eedan » Le jour de Ashura, Ban Suif, je vais considérer ça comme un jour de fête. Dixième Muharram, Ban Suif, Ban Yahud, je vais considérer ça comme un jour de fête. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fasumuhu antum. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit à son ummah, je garde Moussa sa soula. Alors ce hadith en même temps, il est une leçon pour nous, et surtout pour le bon jeune, existe quand même dans une bonne action, comme un siyam. Rosa, c'est un ibadat, c'est un acte d'obéissance. Jusqu'à la dame aussi, finalement, pesto, pour qu'il nous suive, ban yahoud, pour qu'il nous suive, ban juif, pour nous parler des ressemblances à ban juif. Même dans notre ibadat, même dans ton action qui se fait faire, l'islam, ban enseigne-nous pour qu'il nous ressemble à ban yahoud, pour qu'il nous ressemble à ban juif. Si dans l'ibadat, ban finalement, pesto, pour ressembler à ban, comment est-ce qu'ils ont dit dans notre ban haram? Dans ce bain d'habillement haram, dans ce bain de culture haram, dans ce bain de comportement haram, dans ce bain de système haram, nous avons copié les œufs, nous avons imité les œufs, et ce qui est grave, nous avons enlevé l'islam depuis dans nous la vie, nous avons remplacé par culture de bain yahoud, nous avons remplacé par façon de faire de bain yahoud, par système de bain yahoud. Et surtout, ce qui est plus grave encore, aujourd'hui, au nom de l'islam, au nom de la da'wa, nous déplons système de bain yahoud, système de bain koufa, nous déplons ce système, nous fait simplement coller une étiquette islamique avec lui, et nous fait dire qu'il fait travailler pour l'islam. Et toujours, c'est pas une façon de faire, de bain yahoud qui nous fait servir, et nous fait simplement islamise le nom, et nous fait dire qu'il nous fait aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'aimerais les chercheurs, l'islam qui enseigne nous, mais il existe quand même dans bon action, dans l'ose, qui va dire où tu peux garder. À cause, même qui, Ibn Abbas, il dit dans un hadith dans Sahih Muslim, حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قال المفتي صلى الله عليه وسلم في غاد روزة إيه أودن في غاد روزة عاشوراء قالوا يا رسول الله المساج من صحابة من صحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذبي يا رسول الله هو مساج الله إنه يوم سيدجو تعظمه اليهود كمن من زف se follow sa soula, ou un nasara, et un chrétien, se follow sa soula. Fakhar al-Sulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dire, fa idha kana l'aam al-mukbil, et si l'année prochaine, inshallah, sumna al-yawm al-dasi', nous vous gardons 9e jour ensemble. Ça veut dire nous vous gardons 9e Muharram, 8e Muharram, si on n'a pas gagné son danse à Bani-Yahoud. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il allait continuer, fallait bien faire l'âme de Mokbil. L'année ensuite fut finie, hatta tu mufi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qaddar Allah ma sha'a fa'al, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin 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 dunya. Alors, les papes récits, mais il y a les papes vivants, mais il y a sa l'année ensuite, qu'il fut dit à l'époque des diables égyptiens. Mais toujours dans la sunnah, Rosa, et j'ai Ashura, d'après sunnah, c'est 9 et 10. Nous gardons 9e Muharram, 8e Muharram, et le fait qu'il y ait une parole de Ban Salaf, qu'il y ait une parole de Ban Tabi'i, et le Tabi'i Atta, radiallahu anhu, et lui dire qui Ibn Abbas, radiallahu anhu, les filles gardent Rosa, 9e, 10e et 11e. Mais il y a pour Ashura, les filles gardent 9, Ibn Abbas, radiallahu anhu, les filles gardent 9, 10 et 11. Mais ça, c'est normalement le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même dit, c'est qu'il est prononcé 9 et 10. Donc, par contre, la magie, meilleur ou garde, sunna, c'est 9 et 10. Si un démon n'est pas arrivé capable de garder 9, les là, il garde 10 et 11, basant le hasard de rapport, mais il y a basant le amal de action de Ibn Abbas, radiallahu anhu. Fakin al-Iman, le 7e al-Iman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq. Inch'Allah, la continuité dans le prochain khutbah, pour se l'abandonner sur le siyam, pour t'envoyer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq. Qu'Allah fait une connaissance profitable. Comment une connaissance est profitable?
une connaissance qui lui profita comme fait amal le comme il dit en action. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala fait bien, bien de nous créer la connaissance, embellir nos connaissances avec amal, embellir nos connaissances avec la pratique. Wa faqallahu jami'an. Dans sa conflit là, dans sa petite chose là. Frère, il y a une chef, il y a une
à la lumière de l'Antique qui peut parler de nos temps dimanche passé. À la lumière de l'Antique qui peut faire, qui peut publier et qui peut faire croire et qui nous salmane peut branler comme un antique qui peut relouer aux musulmans. Nous n'avons pas connu dans cette situation sous l'insistance du pays. Communauté musulmane dans un pays à majorité non-musulmans. Quand on peut publier qui sert des membres de sa roumata, je suis sorti, je suis à faire djihad, premièrement de mes questions qui posaient, est-ce qu'il vraiment qui s'en l'a qui déclare djihad qui s'en l'a qui déclare djihad bien bon comme mal mentir, qui s'en l'a bien bon comme mal mentir, ça dit là, c'est pas digne de ma journaliste, c'est pas digne de ma démence, c'est digne Allah, ça soit là qui vous fait là. Sa salade, on ne peut pas très bien. Il y a la chouroute, il y a la wajibar, il y a la makroha, il y a la moubdilat. On n'a pas de chouroute pour ça même faire salade. Il y a l'oiseau, il y a le roussel, il y a l'air. Un chouroute salade, ça. Au fil de l'eau, ça va m'abandonner. Est-ce que ça va m'abandonner là? Il y a l'ahkam, il y a l'ahkam. Est-ce que ça dit là? Elle dit une forme, ça. Elle dit une déjeuner, ça. Est-ce que c'est un bazar, ça? Mais un monde qui s'en va dire ce qu'il y a envie concernant l'islam, concernant Allah. Jihad, c'est un ibadat, ça m'a fait. Jihad, c'est un ibadat. D'abord, il y a des qui s'en a des gros jihad. Jihad est dans ce chourou. Jihad est dans ce chourou. Il y a condition, il y a son obligation, il y a son moment qui est obligatoire. Un dimanche, avant de mourir comme mentir, il faut satisfaire certainement critères. Ou capable de faire cela, mais si vous mettez un saut pour faire cela, même où il y a sur la parole, même dans cela, mais dire au fil, vous faites un grand exploit. Puis vous pouvez voir, on n'a pas couvert. Même si vous êtes mort dans la Syrie, même si vous êtes mort dans l'Égypte. Première question que vous imposerez sur l'autre djihad, est-ce qu'il existe ou bien non? Et ce n'est pas moi qui vous capable de dire ça. Ce n'est pas ma petite imam qui vous capable de dire ça. C'est ma roulama qui vous capable de dire ça. Chers frères, chers sœurs, alors, nous laissez ma roulama. Nous laissez ma roulama. Je veux dire, informe-nous. Je conseille nous, Inch'Allah. Vous pouvez un leaflet, un headout sur comme nous venons essayer de mettre parole de Maroulama, Maroulama qui fait cause de Osama Masalala, afin que nous n'avons pas tout dans les rires, nous n'avons pas fait tafir que pas viser, nous n'avons pas cause ce qui pas viser sans connaissance, sur tout ma frère et ma soeur, il est facile pour faire commenter, mais seulement, soyez juste, y'a ayyuha alladhina amanu, amanu taqullaha wa kana iman, paix à Allah, wa qulu qawlan sadida. Cause une parole de justice. Cause une parole de justice. Même si un démon il peut désobéir à Allah. Même s'il peut désobéir à Allah. Mais si pour des causes qui parisent dans le lit, il y a un péché, ça. Il y a un péché. Mais il n'y a aucun doute. Même un démon peut désobéir à Allah. Si pour des causes qui parisent dans le lit, c'est que l'islam parle bien avec vous pour causer dans le lit. Ou si on coupable devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Frère Kéla Imam, Sœur Kéla Imam. Quand on dit un exemple, c'est ce qu'on montrait au conseiller en général dans un valide, n'a pas cause en haut, n'a pas cause ce qui est où on vit, à lire avant de nous dire, à l'idée qui m'a le rôle à m'appétir, comprend ce qui m'a le rôle à m'appétir, retourne par le rôle à m'appétir, retourne nos mères pour aller sur le je n'ai pas fait cause par ce désir, je n'ai pas fait cause par ce khawa, je fais cause en accordance avec pour aller sur le je peux conseiller nous en accordance avec Sunna. Retourne vers le Maroulama. Un exemple veut dire pour qu'il nous déclare djihad. Pour qu'il nous déclare djihad, ou bien pour qu'il y ait un démon, il y a un mot comme un mortier. Un premier exemple à faire pour montrer où, qui, quand vous quittez l'enseignement qui de Sunna, et vous pouvez, veut dire vous-même, vous pouvez aller par vous-même, ou vous prendre décision par vous-même, ou bien plus grave encore, vous pouvez écouter. N'importe qui s'en a écrit grave dans l'ignorant qui fait cause le nom de l'islam sans connaissance. Si ce que l'émotion, ce que cause l'histoire de Hamas, si ce que l'émotion qui fait cause de causer. Et si c'est plus grave, la partisanerie, c'est un démon qui peut sortir, c'est la partisanerie qui pousse pour sortir. Et le mot, il n'a pas mot comme partir. Le mot, la mot, il n'y a pas mot à me dire, on ne peut plus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait cause beaucoup concernant djihad parce qu'il lui-même il dit le chef de l'état islamique à Madina
Nous n'avons pas prétendu, comment dire, ce qui arrive dans une époque où la première fois qui est arrivée dans l'islam et qui nous disait trouve une solution pour nous, ou bien une solution moderne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sur la 4 ayat numéro 83, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah Akbar, voilà ta parole est tellement vraie. Mais c'est nous qui n'avons pas, c'est nous qui n'avons pas oublié. C'est nous qui n'avons pas les comprendre. C'est nous qui mérons loin. C'est nous qui avons suivi nos désirs, nous pas envie suivre tes paroles. Nous n'avons pas suivi tes paroles. On a un trop clair à faire. Ça a l'air d'un gros dans la 4 ayat numéro 83. On gagne le papier. On lit et on lit. Tafsir, ça a l'air dans le livre, dans le tafsir, par la main. Qui a l'air dire dans ça a l'air quand elle. Quand il y a un moment, un événement tous, autres, et bien le public, concernant la sécurité ou bien la frayeur, alors, je fais un bandimoun collé, je t'informe bandimoun, si seulement je t'y retourne, l'affaire à Rasulullah. Si je t'y retourne l'affaire à Rasulullah, qui Rasulullah t'y représente à l'époque-là? Il t'y représente le chef de l'État. Quand un problème est fait parmi les musulmans, retourne l'affaire vers le chef de l'État. Et il dit, il est amri menkoum. Et je retourne l'affaire avant qu'il y ait l'autorité parmi eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'alima kulladina yastanbituna nahu minhum. Alors, banqui. Ban qui tire jugement, ban qui fait l'enquête, ban qui fait recherche, ban qui tire jugement. Ce qui vous connaît, ce qui vous comprend, mais dire ce qui vous comprend, mais dire depuis la source. Mais seulement, il peut dire, là où la faute de Allah alaykum wa rahmatuhu, si Allah se fadl, se béatu, et se pitié n'a pas dit aux autres, le tabatou shaitan, ce qui poursuit Satan. Ce qui poursuit, suivre Shaitan, Iblis, il l'a pas dit là, excepté un petit groupe parmi eux. Excepté un petit groupe parmi eux. Donc nous ne comprenons pas ça, il y a un programme là, chers frères et chers sœurs. C'est pas un désir, c'est pas un démon, c'est pas la majorité, c'est pas le lieu, c'est pas un confort. Plus bien, c'est pas un confort. C'est retour vers un pire. Allah me dit à nous, quand il y a un problème dans sa ummah là, alors qui? Retourne vers Allah et son Rasoul. Retourne vers Banki Allah. Puis place l'autorité dans un clamé. Fakina Iman, Sakina Iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith dans Sahih Muslim. Tadamman Allah. Liman kharaja fi sabilihi. La yukhrifuhu illa jihadan fi sabili. Wa imanan bi. Wa tasdiqan bi rusuli. Fahuwa ala daminun. An udkhilahu al jannah. أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائل ما نال من أجل أو غنيمة سحديث في موطنه avec qui l'intention du monde sorti dans le jihad. Du monde n'a pas sorti dans le jihad parce qu'il veut dire par l'émotion. Du monde n'a pas sorti dans le jihad pour qu'il y ait le support de ce mouvement, pour qu'il y ait le support de ce groupe. Nous sortis dans le jihad spécifiquement la cause Allah. Fi sabilillah, dans le chemin d'Allah, dans le chemin du tawhid, nous sortis dans le chemin d'Allah, veut dire pour combattre, pour élire la ilaha illallah. Nous n'avons pas sorti par élire un tel, nous n'avons pas sorti par dire vivre un tel, nous n'avons pas sorti par dire qui un tel est détruire. Ça n'a pas fait le jihad, nous sortis pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le préserver. Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala et l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui sortit imanan avec iman, avec sincérité, et il sortit, et bien tout en respectant les principes de ma messager. Alors ça dit mon Allah de l'Ila garantie d'Abnak, Sabana Kabel Ban Bajir, Sabana Kabel Ban Mujahid. Alors jihad d'un frère, il y a sur un surout, il y a sur une condition. Jihad n'a pas une vision aussi, un groupe du monde. Bon, je prends cet exemple, je déclare une séance de violence, ou bien je fais un rassemblement. Alors si je suis la victime,
humains. Ces hommes fidèles, si le don il défile et agir, fin tue les hommes, fin massacre les hommes, et n'a dit tout dans une place dans ton âme, ou bien dans la sunna, qui en réplique nous visait pour nos spirales. Soumaïa, radiallahu anha, premier martyr de l'islam. Quand Soumaïa dit les mots, montrez-moi qui ça, ou qui le prophète d'Allah qui l'aimait, qui sa manifestation qui tient là. Quand Allah dit tout, Soumaïa, sa madame là, quand dit tout, il dit, mais qu'elle dit tout, il dit, inhumainement, si persécute lui, qui dit Dieu dans les yeux son missier, dans les yeux son garçon Yassin. Qui ça soulèvement qui tient là, ça. Qui soulèvement qui tient là. Oui, tient là, musulman dans ma cas, tient là, dis même, tu constates cette chose-là, Fatinaliman, combien de persécutions, qui vannent les musulmans avant, se font subir dans les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au bout d'un moment, je t'y dis en nom, mais je t'y faux dans l'iman. Ça va nastique, tu veux, je t'y dis Allah se support avec eux, je t'y dis Nasrullah avec eux, je t'y stressé à Salamdimullah, je t'y dis Dimon Fidia Poli Salamdimullah, je t'y dis Dimon Dorshim Salamdimullah, je t'y dis Dimon qui te fait vivre dans un PC, comme un Félix Zing, comme un Ami Zing. Frère Kenaliman, sœur Kenaliman, avec chien, comme nous, capables à fond l'ennemi. Avec chien, avec l'adoration d'Abga, nous déroulons à fond l'ennemi. Avec bonne désobéissance à la flagrant au nom, nous déroulons à la fond l'ennemi. Frère Kenaliman, sœur Kenaliman, c'est ça qui va nous rouler à ma plaisir. C'est ça, message qui va nous rouler à ma plaisir, avant d'habiter l'Égypte et avant d'habiter la Syrie. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans une situation comme ça, je vais dire, quand on juif, j'y vais tentative pour tout le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a dit, Ya Rasulallah, c'est de nous l'autre, nous sortir, nous finissons. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il fallait prendre l'épée en petit bois, ça veut dire en d'autres mots, reconnaître la fausse, reconnaître cette réalité. Et le prophète d'Allah dit, reste dans ce placage, rentre dans ce placage, dans une situation pareille. Imaginez comment faire, ma soeur. Si ma dîmoun se prend patience, se reste dans une placasse, est-ce qu'il s'accroche les dîmouns la Chikoumo? Est-ce qu'il s'accroche les madame la Chikoumo? Est-ce qu'il s'accroche les enfants la Chikoumo? Enfin, quel animal, monsieur, quel animal? Comprends bien, nous avons le droit pour exprimer. Nous avons le droit pour réclamer le droit. L'islam va nous donner à l'injustice. L'islam, il dit, réclame le droit. Mais comment pour réclamer le droit? Réclame le droit. Et ben, la République, il sent innocent. Est-ce qu'il est juste quand vous réclamez le droit? Ben, la République, il sent innocent. Madame, combien madame d'Aparda se violer après être violée? Combien d'enfants innocents qui sont incapables de vendre l'ennemi et être massacrés? Tout ça là, qui fait 100 musulmans dépliés dans la Malaya, 100 musulmans dépliés dans l'Afrique. Frère Kenaliman, sœur Kenaliman, ça c'est le message de la Moulama. Ça c'est le message de la Moulama. Reste dans nos limites. Reste dans nos limites. Mais dire, ça c'est là. Ça c'est le conseil de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et qui donne à son compagnon dans un moment fitna dans ma cas. Dans un moment fitna dans ma cas. Parce qu'il s'est dit, là, il y a son limite. Il y a son enseignement. Alors, mon frère et ma soeur, Inch'Allah, vous pouvez y aller des détails, beaucoup plus de détails, dans les dents, si vous gagnez. Et alors, conseil de la Moulama de nous. N'a pas cause, c'est qui vous n'a pas connu. N'a pas donné le véritable, c'est qui vous n'a pas connu. N'a pas fait takfir, ni ban dirigeant, ou n'a pas connu ce qu'Allah connaît. Ou connaît ce qui vous connaît. Est-ce qu'il y en a pour pardonner ou il n'y en a pas pour pardonner? Est-ce qu'il y en a connaissance concernant ça? N'a pas fait takfir, veut dire de celui qui n'a pas la connaissance, laisse ça dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous est là, ce qui nous a pas fait, du mandoua dans le nous van frères, nous van sœurs, dans l'Égypte, dans la Syrie, dans l'Irak et partout dans le monde. Ce qui perd ban là, ce qui appelle printemps des Arabes, c'est pas printemps. Printemps amène profit, printemps amène bénéfice, printemps amène l'embellissement. Dans printemps, il y a la joie du cœur. Voir que les imprétents, c'est gêne du monde arabe. C'est gêne du monde arabe. Le monde arabe, il a cité à Zondi. Musulmans sur la force, il a cité à Zondi. À Zondi, c'est un khawarij, résultat de un khawarij qui nous met des moyens, ma frère. Calmez-nous si ça continue à des emplois en cours. Qui voulait, qui parmi vous musulmans? Qui s'en a pour représenter aux musulmans? Fakina l'imam, il sait qu'il y a l'imam. Alors, je m'en dois avec Allah. Je m'en dois avec Allah, qu'Allah arrête sa vie là au plus vite. Qu'Allah fait justice au plus vite. Nous n'avons pas fait prendre en personne. Nous disons Allah fait justice. Celui qui mérite d'être condamné, Allah condamne.
Celui qui mérite d'être détruit, Allah va détruire. Allah sauve un innocent enfant. Allah sauve un innocent madame. Allah va l'affamer, donne ce qu'à manger à boire. Allah va le blesser, donne ce qu'à guérir. Allah va le mourir, donne ce qu'à Allah. Chers frères, chers sœurs, ça c'est plus conditionnel que la communauté musulmane qui détruit. C'est dua. On dit qu'il nous fait un commentaire inutile. On dit qu'il nous cause une chose inutile. Un fait dua dans Haq Salam Dimullah. Et nous cause avec Allah dans ta capture. Nous cause avec Allah dans la l'air. Qui dua est accepté. Et nous cause avec Allah. Mais j'ai beau dans Haq nous van faire et nous van faire. Qui disait le dua, qui disait le support. Et alors dans nos faiblesses qu'il était, c'est ça le plus conditionnel qui nous capable de faire. Alors qu'il y a pas ce qu'il et à cause de la récompense de sa vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos culpables de guerre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le droit chemin.